z peut commencer Oui, mais souviens-toi que nous sommes fragiles. C'est pourquoi tu ne peux pas nous parler sur n'importe quel ton. Il faut choisir ton ton. Ton ton n'est pas toujours de bon ton, ni de bon goût d'ailleurs. Nous connaissons un peu les usages qui se pratiquent dans les milieux aisés, qui possèdent le bon ton de bon goût, car nous aimons les arts et nous avons du goût. Euh, du moins un certain goût. Nous avons du goût, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas à ce niveau d'aisance qui permet d'être à l'aise dans les milieux aisés. Mais nous y aspirons. Nous avons, malgré nous, un rêve d'ascension. Alors que ce rêve ne nous fait pas rêver. C'est un rêve imposé. Autrement dit, une idéologie. Bon, L'idéologie est un rêve à la con, mais nous ne pouvons pas nous en sortir pour autant. Car nous avons besoin de rêver, nous aussi. Bien que nous n'en ayons pas les moyens, nous sommes comme les Verdurins, toujours à péter au-dessus de notre cul, mais en un peu moins haut. Nous nous comparons aux Verdurins, ce qui est ridicule, de quel droit en effet Peu nombreux sont ceux qui peuvent se réclamer des Verdurins sans être ridicules. En tout cas pas nous. Les Verdurins ne sont pas des amis. Ce sont des références, car nous en avons. Nous nous réclamons des Verdurins pour souligner que nous avons lu Proust, euh, ce qui est discutable. Nous avons lu Proust, mais nous n'en sommes pas sûrs. Au fond, qui a lu Proust À part quelques Proustiens. Nous ne sommes pas Proustiens, bien que pas non plus anti-Proustiens. Nous aimons beaucoup Proust, mais le connaissons-nous Nous avons l'air de dire que nous connaissons Proust, ce qui est prétentieux. Nous prétendons connaître aussi les Verdurins, ce qui est impossible. Néanmoins, nous en avons entendu parler par Proust, qui les connaissait bien, que nous connaissons mal, mais que nous avons lu, comme nous pouvions, avec les moyens du bord. Et d'autres livres aussi, qui font partie de la littérature. Enfin, nous l'espérons car nous aimons la littérature, et nous aimons l'aimer. Nous aspirons en effet à une certaine culture, que nous aimons aussi, car nous en avons. Nous avons de la culture, mais nous n'en sommes pas sûrs, car nous manquons d'aisance. Nous n'avons pas l'aisance des milieux cultivés. Nous sommes cultivés, mais, mais pas naturellement. Nous faisons illusion, mais pas durablement. Nous n'avons pas envie d'être ridicules. Et de fait, nous sommes toujours un peu limites. C'est pourquoi nous préférons éviter de définir le bon ton de bon goût. Nous en avons discuté la nuit dernière et nous avons finalement convenu que nous ne voulions pas nous ridiculiser. Nous n'en avons pas la prétention. Prétendre au ridicule serait un peu fort de café. Comme euh, diraient les Verdurins, que nous ne connaissons pas, car nous sommes de la classe moyenne. Ah, disons non classe moyenne supérieure, plutôt dans le haut du panier. Quoique nous ne sommes pas à l'abri de la dégringolade, hein. une seule faute de goût est badaboum. Badaboum est peut-être une expression des verdurins d'ailleurs. Ça ne nous étonnerait pas. Le risque est ce verdurin qui revient au galop. La peur du ridicule est peut-être ridicule, mais c'est une précaution à hein, ces temps incertains. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trop en demander sur le bon ton de bon goût, car qui sommes-nous Et nous avons décidé de nous contenter d'un ton gentil. Nous aimons les gens gentils. Même si nous avons appris, sinon à aimer, du moins à respecter, voire à supporter, les gens pas très gentils, nous préférons les gens gentils. Nous savons que des gens gentils peuvent s'exprimer sur un mauvais ton et que des gens pas très gentils peuvent s'exprimer sur un bon ton. Mais nous ne voulons pas que quelqu'un, même de gentil, nous parle sur un mauvais ton. Hier, ton ton n'était pas conforme à ce que nous pouvons encaisser de ta part. Nous encaissons le, le mauvais ton des gens pas très gentils, voire des gens aisés, mais nous n'encaissons pas ce ton-là de ta part. Quelqu'un d'aisé peut avoir un mauvais ton, de bon ton, que nous encaissons, bien que ce ne soit pas très gentil. Mais pas quelqu'un comme toi, car tu n'es pas des plus aisés. Tu le fus cependant, à un certain moment. Tu fus encore plus riche que bien des gens aisés. Tu eus une grosse bagnole et beaucoup de loisirs. Tu coupais les tomates avec un coupe-tomate. Tu servais des poissons dans des plats poissons en forme de poisson. Tu prenais les escargots avec une pince à escargot et le sucre avec une pince à sucre. Et tu avais un sèche-linge pour ne plus t'emmerder avec des pinces à linge. Tu ne comptais jamais. Tu vivais largement au-dessus de nos moyens. Tu avais un car cher et un chien très cher. Et tu nous snobas. Nous fûmes contents pour toi. Puis tu divorças, ce qui nous attrista. Tu perdis pas mal de pouvoir d'achat. Tu refumas d'ailleurs. Tu dormis dans les bois à un moment donné. On aurait dit une bête, avec des poils et des, longs, des ongles longs et pointus comme des griffes. Et des cheveux sauvages. Et vivant dans la nature, tu n'avais plus ton aisance culturelle. Mais nous nous réjouissons et nous réjouîmes aussi car tu revins au galop avec ton naturel un naturel gentil. Nous en avons parlé entre nous et nous avons reconnu ta nature gentille. Et c'est ce que nous devons d'abord te dire, avant que tu prennes la parole, que tu es quelqu'un de gentil, de très gentil même. Nous en avons discuté cette nuit et nous avons conclu que c'était bien ton ton pas très gentil qui nous avait, disons, Perturbé de la part de quelqu'un au fond de gentil et même de très gentil. Ça, a, ça nous a perturbé à l'unanimité. Nous ne pouvons pas encaisser tout et n'importe quoi sur n'importe quel ton de la part de quelqu'un de très gentil comme toi. Nous sommes en effet, comme nous l'avons dit, des êtres fragiles. Nous avons des névroses, entre autres choses. Nous traînons des casseroles, nous sommes poursuivis par des souvenirs obscurs, nous avançons comme nous pouvons dans le bruit infernal de l'idéologie, nous vivons dans la peur de nos pathologies, nous faisons tout pour avoir l'air normal, nous redoutons l'hospitalisation, nous avons développé des mécanismes d'adaptation. Mais leur efficacité n'est pas de 100%. Disons 80 ou 60 peut-être, ça dépend. Soyons honnêtes, putain, nous n'en savons rien. Disons que nous avons tendance à perdre un petit peu les pédales. Il faut le reconnaître. Plus d'une fois, nous fondâmes en larmes et fondîmes aussi pour un cheval qui tombe ou un poisson qui crève. Nous nous amourachions facilement de chatons et de poulets fermiers. Ils nous attendrissaient comme des petits bébés. Nous n'étions pas en état de supporter l'innocence des poulets, qui ne nous ont rien fait, que nous mangeons donc sans aucune raison, puisque nous les aimons. Nous avons tendance à aimer les bébés comme des petits poulets. Nous sommes trop sensibles. Nous ne savons pas pourquoi. La raison nous échappe. Longtemps nous déraisonnâmes. Plus d'une fois nous nous surprîmes à presque battre la campagne. C'était un délire enivré de verdure, une folie des prés. Nous avons pratiqué, des années durant, cet art verdoyant qui nuit à la raison. Notre incapacité notoire à la santé mentale n'était pas appréciée des milieux aisés auxquels nous aspirions et qui nous évitèrent. Nous en avons encore le souvenir cuisant, bien que ça remonte à un paquet d'années. L'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans les clous, bien que pas en pleine possession de notre self-contrôle. Néanmoins, nous nous appliquons à ne pas dérailler. Il nous faut choisir dans les phrases et les mots dans les phrases, ce qui oblige à une façon de parler légèrement coincée, peut-être un peu mondaine dont nous sommes conscients, car nous sommes au courant. Mais nous n'y pouvons presque rien, bien que ça nous travaille. Nous nous sentons coupables. La culpabilité est un charbon divin qui nous consume l'âme et nous salit les mains. C'est des Alexandrins. Ce qui est ridicule. Et nous en sommes conscients. De fait, nous sommes inquiets. Le fascisme s'étend et il y a la guerre, par exemple au Yémen et en RDC, par exemple. Et le fascisme s'étend, putain. Il s'insinue partout comme un vil serpent, ce qui nous terrifie. Nous nous demandons quand on en, quand on en finira avec cette saloperie. Nous ne savons pas quoi faire. Certains jours, nous désespérons en culpabilisant. Nous n'avons plus d'idées. Or, nous sommes bien obligés d'y penser. Mais plus nous y pensons, moins nous avons d'idées. Nous nous posons néanmoins des questions. Nous ne, com nous ne comprenons pas. Alors, nous évitons d'en parler. Parce que nous sommes peut-être un petit peu bêtes avec nos questions, c'est pourquoi nous les gardons pour nous. Enfin, nous espérons que ça va s'arranger. Mais comment le savoir Nous nous faisons énormément de mourons, du mouron, le jour et nuit, et nous n'avons pas dormi et nous sommes fatigués. Et nous avons besoin de paix et de sérénité, c'est pourquoi nous n'avons pas envie de nous disputer. Nous en avons discuté dans la nuit et tout le monde est d'accord sur ce point. Nous ne voulons pas nous battre pour des petites cuillères. C'est ce que nous avons dit. Dès le début de l'inventaire, nous l'avons dit parce que nous nous aimons. Nous en avons discuté dans la nuit et tout le monde est d'accord sur ce point. Nous nous aimons à l'unanimité et nous t'aimons aussi. Tout le monde est d'accord pour s'aimer. Par ailleurs, nous avons conscience du réchauffement climatique. Les petites cuillères sont dérisoires quand on pense à l'extinction de la vie sur Terre. Qui peut s'occuper de petites cuillères alors que la planète est en train de crever Nous Oui, mais qui parlera de ces petites cuillères quand tout le monde crèvera Même les classes moyennes plus ou moins supérieures Personne. Parce que tout le monde s'en foutra. Parce que nous serons morts. Tous, même les animaux, tout ce qui vit sera mort, tout putain. Les oiseaux ont déjà un sacré coup dans l'aile. Qui entend les oiseaux Nous perdons les oiseaux par l'oreille, sans parler des abeilles. Nous sommes conscients de la catastrophe annoncée par les oiseaux qui manquaient. Les abeilles putain le danger principal, en ces temps instables, où les oiseaux manquent et les abeilles aussi, c'est que les classes moyennes plus ou moins supérieures se battent encore et toujours pour des petites cuillères comme si les petites cuillères étaient une espèce menacée. Comme si les petites cuillères conditionnaient l'avenir de nos enfants. Nous savons que la petite cuillère est un outil utile. Mais nous ne pouvons pas penser que les petites cuillères garantissent pour autant l'avenir de nos enfants, même les cuillères en argent. D'ailleurs, les cuillères en argent ne sont pas plus efficaces que les cuillères en inox, ou en plastique, ou en bois. C'est pourquoi nous avons fait ce lot de cuillères indifférenciées, bien que différenciables, par conviction climatique. Le lot sera tiré à la courte paille, méthode ancienne et toujours efficace qui nous fait penser aux petits navires. Que nous ne chanterons pas. Nous n'avons pas le cœur. Bien que nous connaissions encore ce chant crié dans la baignoire quand nous étions enfants. Oui, oui, putain. Et celui qui aura la paille la plus longue aura toutes les cuillères, même les cuillères en argent. Nous ne contesterons pas. Nous n'avons pas envie de nous battre pour des petites cuillères. Fuck les cuillères, putain. Il y a des sujets plus importants quand même, comme le réchauffement climatique dont nous sommes conscients. Nous sommes bien obligés parce qu'il fait trop chaud. La chaleur s'impose à la conscience, contrairement à la science et à la connaissance. Et nous avons ignoré les travaux scientifiques. Il faut dire que ça nous dépassait. Et longtemps, nous continuâmes à vivre comme avant, en culpabilisant, car nous sommes responsables, même si ce n'est pas notre faute, parce que ça nous dépasse. Et quoi qu'il en soit du climat général, il faut tout de même avancer l'inventaire. Certaines choses s'imposent on ne peut pas abrandir la fin du monde vivant pour cesser de s'occuper des choses pour mépriser les choses ou pour les oublier pour aller vivre nus au milieu des forêts qui d'ailleurs n'existent presque plus avec les orang-outans qui n'existent presque plus non plus nous ne sommes pas nus nous ne connaissons pas la forêt nous avons peur de la nature nous ne voulons pas y retourner même si nous l'aimons non, 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 nous n'y retournerons pas. Nous aimons la nature, mais nous en avons peur. La vie dans la nature est extrêmement difficile. La nature n'est pas un endroit favorable à la survie de l'espèce. La nature est sauvage et la sauvagerie ne fait pas de cadeaux. On l'oublie trop souvent à cause de Rousseau, que nous avons lu. Nous avons lu Rousseau sans avoir tout compris. Au fond, qui a compris Rousseau, à part les rousseauistes Nous ne sommes pas rousseauistes, bien que pas non plus anti-rousseauistes. Nous nous définissons plutôt comme post-rousseauistes, bien que nous n'ayons pas tout compris de Rousseau. Nous parlons de Rousseau, mais le connaissons-nous nous nous figurons un état de nature avec beaucoup de bonheur, mais est-ce que ce n'est pas un vieux désir d'âge d'or Nous ne comprenons pas pourquoi il a fallu passer du bonheur immoral dans l'état de nature à l'état pas marrant sous contrat social. Nous ne comprenons pas le bonheur supérieur de la moralité à l'état de société. Nous n'avons pas signé ce contrat social, c'est ça qui nous défrise. Nous n'avons pas choisi l'état de société et son contrat pourri. Mais nous nous y plions car nous n'y pouvons rien et nous n'avons pas d'autres idées à proposer. Nous avions rêvé de devenir indien mais ça ne s'est pas fait pour des raisons indépendantes de notre liberté. Nous avions alors la folie en tête. Et le soleil au cœur, il faut dire que siffler est encore le maire, le moqueur. Mais nous n'y pensons pas car ça nous fout le plomb, étant donné que nous sommes dans les fers. Nous sommes tributaires d'un contrat dont nous aurions aimé contester certaines dispositions. La plupart, en fait. Mais nous y avons renoncé car nous sommes sur écoute. Tout ce qui nous concerne et stocké quelque part dans des banques de données. C'est la société de contrôle, comme disait Deleuze. Nous avons lu Deleuze et Foucault, mais nous ne sommes pas sûrs d'avoir tout compris. Qui a compris Deleuze Et Foucault, putain. Mais nous avons retenu la notion de société de contrôle. Nous ne savons pas si c'est une notion ou si c'est un concept. Nous ne saurions pas dire. La notion de concept est difficile à saisir. Et le concept de notion euh, nous pose aussi ces question. C'est l'idée qui nous gêne. Nous nous demandons si ça ne va pas trop loin cette idée de, de contrôle. Nous espérons que c'est un peu exagéré. C'est pas la Chine quand même. Nous sommes plutôt chanceux par rapport à eux. Les gens oublient qu'ils sont chanceux par rapport à la Chine. Mais là-bas, ça rigole pas. Ici non plus, mais bon. C'est mieux ici que dans des pays pires. Nous pouvons donc nous estimer heureux, même si c'est objectivement de plus en plus la merde. Mais moins, car au moins on a le droit de critiquer, contrairement à la Chine. C'est trop facile de critiquer alors qu'on a le droit. C'est pour ça c'est pourquoi nous nous contentons d'être contents comme ça, même si c'est pas drôle cette société de contrôle. Non, 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 nous n'aimons pas du tout. Police partout, putain. Mais nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons pas dénoncer une société de contrôle dont nous faisons partie, car la dénonciation de la société de contrôle fait également partie de la société de contrôle dont nous faisons partie. C'est clair. Que ça nous plaise ou non, nous participons au contrôle qui s'exerce sur nous. Nous nous contrôlons d'autant plus farouchement que nous sommes conscients que nous sommes contrôlés. Mais nous n'aimons pas ça. Nous y sommes poussés par des opérateurs qui nous relient à des systèmes d'exploitation, par des conventions, suivant des clauses que nous avons acceptées sans les avoir bien lues. Il faut dire que c'est souvent écrit en tout petit. N'empêche que nous pouvons encore nous exprimer. Et nous sommes incités à dire notre avis sur toutes sortes de sujets. Par exemple, nous pouvons dire si le service est bien. Nous sommes régulièrement sollicités pour évaluer la qualité d'un tas de prestations. Nous avons la possibilité de choisir entre différentes marques de produits proposées en grande quantité. Nous pouvons faire aussi des petites blagues. C'est la démocratie. Mais nous ne voulons pas pour autant nous faire remarquer. Et nous faire arrêter sur la base de données fouillées par la flicaille en fonction de, petits de tout petits soupçons, comme le terrorisme, par exemple, ou d'intention de prendre position sur le climat, par exemple. Car il fait chaud, putain. La planète est en train de devenir un four, pendant que nous vivons dans la peur des poulets. Pendant que nous vivons dans cette peur des poulets, nous en avons discuté dans la nuit et nous avons convenu que nous n'étions pas complètement sereins. Nous soupçonnons que la société de contrôle était déjà prévue par les dispositions du contrat de Rousseau qui nous fut imposé. Mais nous y pensons peu parce que ça nous déprime. C'est ce que nous nous sommes dit que nous étions déprimés par Deleuze et Foucault et Rousseau, forcément, même si ce n'est pas sa faute. Cependant, nous avons pris connaissance du fait que la nature n'était pas non plus la solution. La nature est un milieu hostile, même si la nature est bien. Et nous l'aimons beaucoup. Malgré l'hostilité, nous aimons la nature. Nous ne pouvons pas nous passer d'un jardin. Nous avons peur de la nature hostile, mais nous avons peur aussi de la disparition de la nature en tant que jardin. La, la nature est l'atout naturel dont nous avons besoin pour jardiner. Le métier de jardinier de est un très beau métier. Jardinier, c'est le métier le plus beau quand on y réfléchit. Et nous le disons plus, avec d'autant plus de conviction que nous sommes très loin d'être des jardiniers. Mais nous les admirons, ils ont la main verte. Ils font des potagers, ils cultivent des fleurs, l'utile et l'agréable. Nous aimerions beaucoup vivre dans des jardins. Les jardins ne seraient pas des espèces d'espaces verts au milieu des cités, mais un écosystème complètement recyclé, adapté aux vélos et aux petits sentiers qui sentent la violette et aux poissons filant dans les rivières claires et pas flottant mollement ventre à l'air dans l'eau contaminée des centrales nucléaires. Nous sommes contre le nucléaire nous aussi figure-toi. Nous l'oublions parfois entre deux catastrophes mais nous n'approuvons pas Atomkraft nein danke. L'électricité dans les jardins cités serait produite par des petits moulins à eau ou à vent. Ce serait un futur un petit peu comme avant, dans un environnement pour y vivre autrement, avec des circuits courts et des petits marchés pour échanger nos produits naturels le lundi ou le samedi. Les gens se diraient bonjour, ils se promèneraient avec des paniers en osier tressé, ils ne chercheraient pas le profit à tout prix, ils prendraient le temps de vivre, d'être libres comme disait Moustaki, que nous écoutions quand nous étions petits. Nous serions heureux dans ces jardins-cités. Ce serait une façon de lutter contre l'exploitation des ressources mondiales par la grande industrie. Tout ça au nom du profit à tout prix, qui détruit les forêts et pollue les cours d'eau, qui contamine les sols et tue les vers de terre. Nous sommes affectés par cette nouvelle de la diminution des populations de vers de terre. Parfois, nous y pensons et nous désirons sauver les vers de terre. Mais comment faire Nous pourrions développer des façons de vivre avec les vers de terre. Nous y avons pensé. Nous avons même un petit peu essayé dans ce jardin d'ici, qui n'est pas une cité idéale, mais un jardin tout con. L'idéal pose problème à cause du jardin. Nous en avons la charge à cause de l'entretien. Un jardin a besoin d'un entretien constant. Le jardin est une extension des tâches ménagères. La tondeuse est comme l'aspirateur, mais en plus fatigant. Longtemps, nous passâmes la tondeuse et nous tondûmes, tondûmes et tondîmes aussi. C'était très fatigant. Nous rêvions d'un jardin avec des fleurs variées, des bosquets et des haies, suivant le style charmant des jardins anglais ou japonais, avec des cerisiers et tout le Tintoin. Mais pas à la française, bien que ce soit beau aussi, mais pas très adapté à un terrain en pente. Finalement, nous dûmes nous résoudre à ce que ce jardin ne soit ni charmant, ni anglais, ni japonais, ni rien. Bah, nous nous démerdâmes, surtout comme nous pouvâmes, en fait, c'est-à-dire assez mal, puisque nous pûmes peu. Le printemps nous dépasse, tout pousse beaucoup trop et n'importe comment, et ce que nous plantons meurt au bout d'un moment. Mais nous persévérons. Nous avons l'idéal cultivé du jardin. Nous avons cette culture idéale, mais nous la critiquons pour des raisons pratiques. Ça demande du travail. Nous n'avons pas le temps à cause du boulot, car nous en avons un, ce qui est une chance. En effet, sinon nous serions au chômage. Et il nous faudrait passer nos journées à chercher un emploi, ce que nous ne savons pas très bien faire. Nous serions sans cesse à nous justifier de ne pas en trouver, alors que ce serait entièrement notre faute. Nous tomberions peut-être dans l'alcool et nous aurions forcément des problèmes dentaires et d'autres problèmes que nous préférons ne pas énumérer. Nous serions malheureux et peut-être même pauvres. Nous ne serions presque plus personne et plus rien, putain. Nous ne pouvons pas cesser le travail à cause du printemps. Nous ne vivons pas dans un jardin, nous. Nous n'avons pas le loisir de penser aux petites fleurs que nous aimons beaucoup. Nous en avons parlé la nuit dernière et nous avons souligné que nous aimons beaucoup les fleurs, même à la folie. Il est possible d'aimer follement les fleurs tout en discutant raisonnablement de petites cuillères. Ne t'en déplaise. Nous ne sommes pas indifférents à la poésie. Un simple coucou nous émeut. Eh oui, contrairement à ce que tu sembles à dire en ne disant rien à propos des cuillères, parce que tu n'as rien dit. C'est ce qui nous a troublés. Nous en étions, nous en étions aux cuillères. Mentionné à l'article 12, titre 3.2. Article 12, couvert, un couteau, deux fourchettes, trois cuillères, trois 1 grande cuillère, trois deux petites cuillère. C'est là que s'est posée la question des cuillères, alors que nous avions déjà évoqué les fourchettes, ainsi que les couteaux, sans nous entretuer parce que nous nous aimons et que nous n'avons pas la passion des couteaux, ni d'aucune arme d'ailleurs. Nous déplorons la guerre et les crimes de sang, tandis que les cuillères, surtout les en argent, nous plaisent énormément. Pas à cause de l'argent, bien que ça compte aussi, car sans, sans argent, tout est difficile. Tout est probablement difficile aussi avec de l'argent, mais peut-être moins. Nous n'en savons rien, et nous ne voulons pas le savoir. Nous sommes illusionnés par un certain bonheur auquel on accéderait en changeant de niveau de vie. C'est pourquoi nous aimerions avoir beaucoup d'argent tout en restant sensibles à la misère du monde, à laquelle nous échappons heureusement. Nous sommes le jouet de puissants effets que l'argent exerce par l'espoir d'en avoir et la crainte d'en manquer. La simple idée de la présence ou du manque d'argent dans un endroit donné crée la tension ou la paralysie de toute la société. C'est la réalité de l'économie de marché alors que nous sommes contre L'argent crée l'illusion d'une objectivation par la transformation de toute qualité en quantité chiffrée. Et oui, tout a un prix, même ce qui n'en a pas, même la vie putain. Les humains ont aussi une valeur marchande, même nous en fait. La plupart des humains ne valent rien du tout. Ainsi, les enfants furent longtemps forcés à travailler dans les filatures et les mines de charbon. Mais ce temps est révolu, Dieu merci. Même si des enfants noirs travaillent dans des plantations de cacao et dans les mines d'or, par exemple en Afrique, et ce sont des enfants, putain, et nous ne disons rien. Est-ce parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont loin Ou parce que nous avons besoin de matières premières d'autres sont obligés de quitter leur pays pour aller mourir quelque part en Libye ou noyer dans la mer des cadavres viennent s'échouer sur les plages et contre les rochers et ce ne sont pas seulement des enfants il y a aussi des femmes et de nombreux hommes ce sont tous des humains, putain même si nous employons le terme de migrants alors qu'ils sont humains. Nous avons un petit peu peur des migrants, même s'ils sont humains. Est-ce parce qu'ils sont noirs Est-ce parce que les noirs savent qui sont les blancs, alors que nous n'en savons rien Est-ce que nous serions blancs sans nous en rendre compte hmm. Nous n'y pensons pas trop à la couleur de peau. Nous ne sommes pas racistes, putain. Et nous sommes indignés par l'inhumanité in dont nous sommes témoins. Et peut-être complices. Nous sommes tous coupables, moralement en tout cas, étant donné que nous n'avons rien fait. C'est le résultat d'une politique nationale et européenne, et même occidentale, qui nous fera peut-être honte plus tard. Enfin, nous l'espérons, car elle est inhumaine. On ne devrait pas traiter les humains comme des bêtes. Les humains ont une âme contrairement aux bêtes. Comme disait Descartes que nous avons essayé de comprendre, qui a compris Descartes à part les cartésiens Nous ne sommes pas cartésiens même si nous avons quelques bases euh, cogito ergo sum comme on dit par ici. Les bêtes ont peut-être une âme aussi en fait euh, mais pas au point de se faire baptiser. Nos ancêtres aimaient bien euh, l'époque des esclaves, car ils pouvaient les baptiser à la chaîne. C'était cruel et chrétien à la fois. Les esclaves étaient humains, puisqu'ils avaient une âme, alors qu'ils étaient qualifiés de biens meubles, c'est-à-dire de biens qui bougent en fonction du désir de leur propriétaire. Mais nous avons cessé de nous raconter ces histoires d'âmes à dormir debout et de meubles mobiles. C'était trop cruel. Et chrétiens à la fois. Les choses ont changé et les humains aussi. Les humains sont traités comme des ressources humaines, voilà la vérité. Et c'est peut-être aussi un petit peu cruel. Ressources humaines est un oxymore dont nous préférons ne pas mesurer les immenses conséquences. Ça nous angoisse, ça nous angoisserait. Nous préférons croire que c'est une façon de parler. Mais la façon de parler est aussi euh, souvent l'expression. Euh, qui cache la forêt. La forêt fait aussi partie d'une exploitation. Nous sommes contre l'exploitation. L'exploitation transforme toute matière en argent. Chaque arbre transformé perd sa qualité d'arbre. La qualité de l'arbre est dans l'arbre, pas dans l'argent, putain. Nous aimerions beaucoup vivre dans une société où l'argent ne définirait pas la valeur de toute chose. Nous aimerions donner pour recevoir et recevoir pour donner. L'amitié et la paix régleraient nos échanges. Nous irions d'île en île sur des barques légères, nous échangerions des colliers de coquillages avec des peuples fiers et nous serions heureux comme des argonautes. Mais nous ne vivons pas dans une de ces îles, loin de là même. Nous pourrions y aller facilement en avion. Mais ce ne serait pas très éco-responsable. Ou en bateau à voile, si nous en avions un. Mais pourquoi faire, en fait À vrai dire, nous serions bien emmerdés avec tous ces colliers. Nous n'avons pas les codes correspondant à ces rapports sociaux réglés par des cadeaux. Il faut dire que les coquillages d'ici euh, ne sont pas très jolis. Hein. Nous préférons l'argent à ces coquilles de moule. Hein. Même si l'argent crée souvent des embrouilles, presque toujours en fait. C'est pourquoi nous évitons d'en parler. Nous nous sommes sentis mal de parler des cuillères à cause de l'argent qui crée un tas d'embrouilles. C'est pourquoi nous avons décidé de ne considérer que la valeur d'usage de ces putains de cuillères, alors que la valeur de l'argent d'une cuillère est bien supérieure à la valeur d'usage d'une cuillère en argent. C'est clair. Nous avons renoncé à l'argent des cuillères. Nous avons décidé à l'unanimité de ne pas estimer cet argent qui vaut cher. Nous étions tous d'accord, à l'unanimité, car nous nous aimons et nous t'aimons aussi. Tu regardais les coucous sans rien dire du tout. Nous avons remarqué ton silence au milieu des coucous. Nous nous sommes d'abord dit que tu ne disais rien pour donner ton accord, qui ne dit mot consent, comme on dit par ici. Mais tu n'as rien dit, ce qui nous a troublés. La plupart du temps, tu ne dis rien sans, sans que ça nous dérange. Hein. Au contraire, on préfère. Même si nous ne sommes pas contre un petit mot de temps en temps, hein. ne serait-ce que pour faire entendre ta voix. Ta voix participe à l'harmonie du tout, comme disait Schiller, euh, que nous n'avons pas lue. Mais nous connaissons l'ode à la joie du final de la neuvième de Beethoven. Et nous connaissons Brahms euh, et Bartok et Beckett, euh, ce qui n'a rien à voir. D'ailleurs, nous n'en avons pas beaucoup de souvenirs. Nous n'avons pas tout compris dans Beckett, mais nous apprécions sa façon de réduire la voix de l'innommable à sa simple expression. C'est pourquoi un petit grognement pourrait nous suffire. Un hem-hem, ou un ouhou, ou un baba-baba, en attendant de savoir à quoi sert ce vénérable organe. Ce serait une façon de participer sans être pour autant partie prenante. Certains parmi nous veulent être partie prenante en prenant la parole de façon un petit peu ridicule. Hein On y revient toujours. Certains n'ont peut-être pas les moyens d'exposer leur avis sans passer pour des cons. Mais ils essayent quand même. Ils tentent de s'imposer dans le concert général. C'est un petit peu raté, mais c'est accepté et même apprécié dans une certaine mesure. Preuve de l'indulgence qui nous caractérise. Mêlé à une sorte de pitié peut-être et de déception sans doute mais légère parce que ça arrive à tout le monde et que l'important est de participer pour être partie prenante. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faille prendre parti. Personne ne te demande de prendre parti. Surtout pour des cuillères. Ça voudrait dire quoi Nous y avons réfléchi dans la nuit, nous nous sommes demandé, mais pourquoi faudrait-il prendre parti, putain Pour des petites cuillères Nous étions pris dans l'angoisse du pourquoi des cuillères. Alors que nous nous en foutons, au fond. Mais tout le monde s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. Et surtout comme il peut. Parce qu'il est parfois difficile de faire comme on veut. Alors on fait ce qu'on peut. Faire ce qu'on veut se réduit parfois à faire ce qu'on peut. Et faire ce qu'on peut, c'est déjà un peu de volonté. Même si on veut peu. On peut aussi ne pas vouloir du tout. Qui a dit qu'il fallait vouloir Personne ne peut t'obliger à vouloir. Mais nous espérons au moins de la bonne volonté. Nous savons que la bonne volonté n'est pas la volonté. Mais ça nous suffirait. C'est déjà ça. Il faut bien remarquer que tu n'as pas fait preuve, au milieu des coucous, de bonne volonté. Tu n'as pas montré de disposition à réaliser avec le sourire une action positive en vue de l'accomplissement d'une tâche pas marrante. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais nous espérons que ce n'était pas pour autant de la mauvaise volonté. Ce serait un peu fort de café, bien que cette expression soit ridicule, comme nous l'avons déjà dit. Nous l'employons néanmoins. Est-ce par amour pour Proust Ou pour te dire d'une façon agréée par les lettres françaises, ce vers libre d'Ayana Nakamura Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses Comment le savoir Il n'y a pas moyen. Nous ne sommes pas experts de nos façons de parler. Nous ne savons pas exactement ce que parler veut dire, bien que nous soyons attentifs à l'usage du langage. C'est pourquoi nous choisissons des expressions peut-être ridicules, mais pas stigmatisantes. Nous ne souhaitons pas te stigmatiser, ce serait dégueulasse. Mais nous ne sommes pas certains d'avoir bien compris ce que tu n'as pas dit, vu que tu n'as rien dit. Bon Dieu! Ça veut dire quoi de rester ainsi, quoi, au milieu des coucous Nous nous sommes demandés, En quatre fois six pieds, sans compter les humus. Serait-ce un manque de bonne volonté ou carrément du foutage de gueule Nous préférâmes y voir une absence de présence, que nous comprenâmes et comprîmes aussi. Et nous te pardonnons, même si ça nous inquiète, parce qu'il faut quand même avancer l'inventaire. L'inventaire nous concerne. Ceux qui sont concernés doivent être au moins un petit peu concernés, sinon qui s'occupera des choses qui nous concernent Qui devra décider du destin des cuillères Et c'est qui qui dira ce qu'il faut faire des moules à tarte aussi Nous en avons discuté la nuit dernière et nous avons reconnu que nous avions eu un court instant envie de te zigouiller, ou de te foutre un poing, ou de te mettre une baffe, ou une petite tape. Mais nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas car nous t'aimons et tu nous aimes aussi. Nous en avons discuté dans la nuit, nous avons admis que tu nous aimais quand même. Nous avons toujours eu peur de ne pas être aimés. C'est une chose que nous ne pourrions pas supporter. Nous avons besoin d'amour, nous aussi, ou au moins d'un peu de respect, surtout de la part de quelqu'un de gentil comme toi. C'est pourquoi nous préférons penser que ce n'est pas de la mauvaise volonté. Mais peut-être une difficulté personnelle, due à ta personnalité un petit peu effacée, d'où l'absence de présence. Nous avons un peu de psychologie. Nous ne sommes pas psychologues de métier. La psychologie nous permet de comprendre ce que nous ne comprenons pas et de ne pas juger. Et nous ne te jugeons pas. Alors que ça nous pose quand même un peu problème. Parce que même si tu ne dis rien, et tu n'as rien dit, ce n'est pas un reproche. Rien, c'est déjà beaucoup. Il n'empêche que tu n'en penses peut-être pas moins. Et pas moins n'est pas rien. Tu dis rien, l'air de rien, ça veut dire quelque chose. Même si ton air est bon, là n'est pas la question, ton air est un bon air, mais c'est un air, c'est clair. Cet air est un air qu'on sent dans l'atmosphère et qui nous casse l'ambiance. La bonne ambiance est requise dans certaines circonstances. À Noël, par exemple. Mais nous n'allons pas parler de Noël, putain. Personne ici n'a envie d'en parler. Nous en avons soupé euh, de la joie de Noël. Combien de Gloria avons-nous tristement tonné Combien de chapons avons-nous découpé alors que nous préférons le canard des falaises Oh, les voir passer tout à coup dans l'espace, ils vont librement où leur désir le veut, tandis que nous restons plantés sous le sapin en attendant l'heure des biens de consommation. La vérité, c'est que nous sommes coincés entre la chrétienté et le capitalisme le plus éhonté. Ce qui est très con, mais c'est la tradition. Et nous l'acceptons, bon gré mal gré. Contre mauvaise, fortune, contre mauvaise fortune, bon cœur, comme disait euh, Plotus. Ou peut-être Molière. À moins que ce ne soit n'importe quel couillon. Nous y avons réfléchi dans la nuit et nous nous sommes dit que nous avions envie d'aimer Noël quand même. Nous avons, nous aussi, un rêve de Noël, comme dans les films américains. La vie est belle, putain. Et nous n'y pouvons rien. Alors, autant passer un bon Noël pour que ça se passe bien. L'inventaire, c'est pareil. C'est ce que nous avions dit à l'unanimité qu'il fallait que ça se passe un peu comme à Noël, bien que ce soit le printemps. Et tu étais d'accord puisque tu n'as rien dit. Et voilà que soudain, euh, au milieu des coucous, tu ne dis rien du tout. Nous étions dans l'ambiance du printemps de l'inventaire, auquel nous procédons avec application et par imitation des rites admirables que nous avons observés chez moult gens aisés. C'est dire que nous sommes un petit peu tendus et en même temps contents. C'est un petit peu comme si nous étions des leurs, c'est comme si nous pouvions aussi nous régner sur un petit domaine et administrer tout un ensemble de choses, avec beaucoup de prudence et pas mal d'inquiétude car ce n'est pas tous les jours que nous devons régler des questions matérielles auxquelles il faut bien croire, puisqu'elles sont matérielles. Or, ton silence ressemble à l'expression d'un doute. Mais le doute n'est il pas la condition de la foi? Ben, la foi est toujours un petit peu douteuse, sinon ce serait trop facile, ce que nous nous sommes dit, parce que nous y croyons, et nous espérons te convaincre d'y croire, sans pour autant aller jusqu'à te retourner le cerveau nous en avons discuté dans la nuit et nous nous sommes demandé est-ce que nous sommes en train de lui retourner le cerveau sans le vouloir en croyant bien faire est-ce que nous serions est-ce que nous nous serions fait nous-mêmes retourner le cerveau avec des petites cuillères est-ce que nous sommes en train de devenir les esclaves d'une mystification sur la valeur de ces choses d'ici bas que nous fétichisons comme disait Marx que nous n'avons pas lu mais qui a lu Marx à part quelques marxistes Et les marxistes ont-ils même lu Marx Et Engels, putain, qui dit l'un dit l'autre Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu perdus depuis la fin de l'espoir d'une dialectique de l'histoire Toutes ces choses nous travaillent. Nous sommes sans cesse à nous demander est-ce que vous ci ou ça Nous ne savons pas ce qui fait la valeur. Et nous nous posons cette question capitale. Est-ce que c'est le travail Ou est-ce que c'est le marché Ou encore autre chose Une chose dans les choses Serions-nous attachés à la valeur des choses alors qu'un seul coucou vaut bien plus qu'un tas de petites cuillères Tu ne disais rien pour nous dire quelque chose. Et les coucous, et les coucous, tu semblais nous dire on ne disant rien à propos des cuillères. Est-ce que ton silence au milieu des coucous n'était pas une façon de critiquer la valeur des cuillères, incorporant le travail et la matière première ainsi que l'utilité dans la définition de la valeur par le prix Nous parlions des cuillères en effet, et alors il faut bien en parler puisque c'est l'inventaire. Les cuillères étaient sur la table, mais ça aurait pu être aussi bien les verres à pied, qui devront arriver à un moment donné, comme tout ce merdier auquel nous tenons sans savoir comment, des quantités d'objets sans aucun rapport avec le sujet, des valises de merde, un tas de saloperies dont personne ne veut. Personne ne veut de rien. Même si ce n'est pas une question de volonté, on y revient toujours. C'est une question de besoin. Le besoin nous manque. Nous avons tout ce qu'il faut et en grande quantité. Qui a besoin de petites cuillères ici ou de verres, même à pied N'importe qui peut boire dans n'importe quel verre, même un verre à moutarde. Le verre à pied est considéré comme un verre supérieur, mais c'est une convention que nous critiquons. Il y a des, des choses beaucoup plus importantes que les verres à pied. Nous ne sommes quand même pas abrutis au point de l'ignorer. Néanmoins, il faudra bien en parler à un moment donné de ces vers soi-disant supérieurs, et en venir aussi aux inférieurs tout con, jusqu'aux ébréchés, qui nous rappellent peut-être d'anciennes blessures, peut-être rien, car la mémoire défaille et flanche quand ça l'arrange. Elle fait des trous normands, c'est pour laisser place à des choses nouvelles que nous préférons à ces merdes anciennes dont nous avions espéré être débarrassés, mais qui nous reviennent au sens littéral, et même littéraire, et notarial aussi. Les cuillères font partie de tout ce merdier qui nous a édifiés tout en nous, nous détruisant, et que nous aimons d'un amour incompréhensible, comme souvent l'amour. Mais nous faisons l'effort de ne pas les aimer pour ne pas les vouloir, et les laisser aux autres c'est la moindre des choses. Quelqu'un a demandé alors les cuillères, c'est pour qui Une fois, deux fois, qui sait qui les aura Personne n'a répondu qu'il voulait les cuillères, même celles en argent. C'est là que nous avons eu l'idée de la courte paille, pour savoir qui, qui, qui aurait les petites cuillères. Nous en étions là. En effet, putain, tu ne disais rien au milieu du jardin fixer des coucous dans le jardin en friche. Il faisait chaud et beau. Mais nous avons un stock de bouteilles d'eau, heureusement. Nous sommes prévoyants. L'eau d'ici se fait rare. La rivière a laissé un lit de boue séchée. Les hérons sont partis, les vaches sont couchées sous les saules brûlés. L'herbe jaunit avant d'avoir poussé. Les avions se croisent dans le ciel désert. L'atmosphère est peut-être un peu chargée. C'est tout un écosystème dont nous constatons la transformation. Nous prenons la mesure de l'atout naturel dont la faim nous effraie, à cause du réchauffement notamment. Mais bon, nous ne pouvons pas rester dans l'effroi du réchauffement, parce que les choses sont là, qu'on le veuille ou non. Nous n'aimons pas les choses. Tu n'aimes pas les choses. Nous n'aimons pas non plus. Avant de commencer l'inventaire, nous avons dit que ces choses ne nous intéressaient peu, presque pas du tout, mais que nous devions nous en occuper parce que nous ne savons pas quoi faire sinon avec ces choses. Et nous ne savons pas non plus comment faire sans les choses. Aucun être humain ne peut se passer de choses. Nous ne sommes pas des orangs outans. Dieu merci. Nous en avons discuté la nuit dernière et nous avons admis que nous étions humains, or toute chose concerne obligatoirement tout humain. Le propre de l'humain est d'avoir toutes ces choses qui le concernent, c'est normal, c'est humain, c'est la nature des choses, ne t'en déplaise, et oui. Sans les choses, nous serions encore à poil dans le jardin d'Éden, à bouffer des pommes en sautant d'arbre en arbre, ce qui est bien beau dans l'idée, mais pas très adapté à notre évolution. Car nous n'avons pas les pieds préhensiles et nous attrapons facilement la crève. Sans compter que les pommes, bien que très intéressantes du point de vue nutritif, ne suffisent pas à l'équilibre alimentaire d'un adulte habitué aux arts de la table. Néanmoins, nous aimons les pommes. Et nous aimons les arbres, et surtout les pommiers. Sans les pommiers, il n'y aurait pas de pommes, mais donc pas de tarte aux pommes, pas de boudin aux pommes, ni rien aux pommes, putain. Pas de cidre. Ça va de soi, ni de calva, malheureusement. Nous pourrions nous en passer. Nous devrons peut-être nous y habituer. Sans pommier, la vie est possible, mais est-ce encore une vie Et le pommier est l'arbre qui cache la forêt. Puisque sans forêt, il n'y aurait carrément plus de vie du tout. Nous sommes beaucoup plus sensibles à la vie des forêts qu'à toutes ces choses qui sont dans l'inventaire. Et nous faisons la différence entre un arbre et une petite cuillère, même en argent. Qu'est-ce qu'une cuillère en argent et même tout l'or du monde à côté d'un simple arbre? Nous avons les arbres en tête, ne t'en déplaise. Nous avons passé la nuit dernière nous en avons parlé la nuit dernière et nous avons établi que nous pensions aux arbres. Nous souffrons quand nous pensons à ce moment où nous fûmes séparés les arbres et nous, car nous nous souvenons des, des pommiers d'en bas. Nous avons habité dans leurs branches étranges, dont nous pourrions décrire toute l'architecture et la peau de leurs troncs contre nos peaux d'enfants, leurs lièges gris dressés dans la prairie comme des éléphants. C'est dans ces pommiers que nous avons vécu la meilleure partie de notre liberté c'était la vie perchée. Nous avons le sommeil tourmenté par les pommiers qui manquent. Nous nous en souvenons tant et tant que d'avoir à le dire nous défonce le cœur. Oh douleur insensée de ce temps des pommiers tombés dans la prairie comme des éléphants. Nous pleurons ce temps des éléphants normands bien que nous en ayons terminé avec ce pays, heureusement. Nous ne sommes pas normands, putain. Contrairement à Madame Bovary qui vivait à deux pas d'ici, dans ce pays qui n'existe pas, comme disait Flaubert, que nous avons lu en battant la campagne, où rien ne poussera plus. Nous ne sommes pas Flaubertiens, mais nous connaissons bien ce pays de Madame Bovary. Et plutôt crever que de rester ici. C'est ce qu'elle fit du reste. Elle creva criblée de dettes, en avalant du poison à pleine main, hein, ce qu'on qu a dit. Ce qui semble un peu extrême, mais bon. Les problèmes d'argent menacent la vie des gens comme Madame Bovary. Vivre dans l'idéal, c'est beau sur le papier, mais c'est plus compliqué dans la réalité. Nous ne voulons pas dire du mal de Flaubert. Il a fait ce qu'il a pu avec la Normandie. Mais il faut se tirer à un moment donné. Ce que nous avons fait, s'il a fallu revenir, c'est à cause de ces choses qui nous reviennent aussi car nous devons bien vider la maison et vendre cette maison, ce que nous avons dit que nous allons la vendre et le jardin avec. Nous l'avons décidé à l'unanimité contre Flaubert, putain. Et voilà que soudain tu demandes la parole. Tu n'avais encore jamais demandé la parole à part peut-être une fois en 1980 quelque chose. Nous remarquons en passant qu'une demande de demande de parole aurait pu nous préparer à cette nouveauté. Mais bon, nous ne t'en voulons pas hein, Car nous t'aimons putain. Alors nous t'écoutons. Mais euh, souviens-toi que nous sommes fragiles. Bonsoir, Noémie Lefebvre. Merci beaucoup pour euh, cette lecture intégrale que vous venez de, de nous faire de, de, de votre dernier livre, Parle, publié chez Vertical, qui est votre, votre éditeur, j'allais dire, de toujours, vu, puisque c'est le, le cinquième texte chez Vertical après euh, l'autoportrait bleu. J'aime bien citer les titres de vos textes. L'état des sentiments à l'âge adulte, l'enfance politique et poétique de l'emploi. Donc là, il y a parle, mais Alors, sur la première de couvre, on lit parle. Et. En tout petit là-haut, on lit suivi de Tétois. Donc on parlera aussi de Tétois, on va démarrer par Parle. Euh, je vais quand même rappeler que vous êtes spécialiste de, de sciences politiques, enfin vous venez de, de ce milieu-là. Vous êtes spécialiste de politique musicale franco-allemande. C'est vaste programme, mais euh... <laughs> ce n'est pas le propos aujourd'hui. <laughs> aujourd'hui, donc, on va parler de Parle et Tétois, qui sont deux textes en miroir. Deux injonctions contradictoires. Euh, parle, on l'a entendu, c'est la fiction. Et tais-toi, es est un texte analytique, euh, un essai sur cette fiction un essai que vous faites vous-même de votre propre texte, euh, en totale opposition avec la position de Flaubert, qui soutenait qu'un auteur ne doit pas commenter son propre travail. Donc là, on va passer euh, 45 minutes ensemble en adoptant une position totalement anti-Flaubertienne, puisque je vais essayer de vous faire parler de votre travail. J'espère que Flaubert ne nous en voudra pas trop, et je vais vous demander de ne pas vous taire. Euh, parle, on l'a entendu, c'est un dialogue avec euh, un personnage qui demande à prendre la parole, c'est la première phrase, je peux commencer, et qui finalement va se faire confisquer cette parole par le reste de, du groupe. Et ce groupe va entamer un dialogue. Euh, et donc, finalement, sous couvert de parle, dès le départ, ça se transforme plutôt en tais-toi, dissimulé. Donc, déjà, on aurait pu presque inverser les deux, les deux titres entre les deux textes, Noémie euh, Oui, alors effectivement, les textes peuvent paraître en miroir, ils ne le sont pas tout à fait, puisqu'il n'y aurait pas Tais-toi s'il n'y avait pas Parle. C'est-à-dire que le, le, le second texte est vraiment euh, considéré comme une postface, en fait. Chose qui, est, effectivement, n'était pas très recommandée par Flaubert, mais que j'ai essayé de défendre comme une possibilité. Euh, euh, avec certains écueils parce qu'évidemment euh, quand on parle de son propre texte, euh, c'est quand même difficile de ne pas paraître euh, très très prétentieux, euh, de se prendre pour un savant. il enfin, y a tout un certain nombre de choses, il euh, y a un peu des pièges partout dans, dans ce type d'exercice. Mais malgré tout, c'est vrai que euh, bon, d'abord je me suis beaucoup amusé à le faire. Euh, D'abord, effectivement, comme euh, vous disiez, je viens euh, de l'université, donc le, les formes universitaires sont des formes pour moi amusantes et, et intéressantes et amusantes aussi à chercher dans leurs limites. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les notes bas de page, les citations, etc. qui, sont, qui, 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 voilà, qui, qui génèrent un certain, un certain nombre de, 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 de codes de lecture, mais aussi d'écriture. Euh, mais, avec, euh, mais ces codes peuvent être un peu déjoués à la marge donc fabriquer euh, de temps en temps une fausse note bas de page ou, euh, bon là il n'y en a, a qu'une seule et je vous laisserai la trouver euh, et puis aussi euh, respecter la forme et en même temps la pousser un tout petit peu à sa limite c'était ça qui m'amusait avec, avec Parle et puis aussi me, me situer sur un terrain où je absolument aucune... Euh, compétences universitaires, c'est-à-dire le terrain littéraire, puisque je viens pas de la littérature du tout, j'ai pas fait de, 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 de parcours euh, universitaire euh, du côté de, des lettres, mais euh, de la science politique est très très loin d'être un domaine euh, littéraire, même si maintenant, euh, comme à peu près partout, il y a des ateliers d'écriture à Sciences Po et puis euh, des espèces de, de cours d'écriture euh, qui, qui sont proposés aux, aux étudiants. Mais disons que c'est très récent et que ça n'a pas grand-chose à voir avec... Euh, une formation de lettres. Donc ça, cet aspect-là, en fait, sur Tais-toi, était amusant à écrire pour moi à cause de cette forme que j'aime bien, que j'ai utilisée pour d'autres objets que la littérature. Et voilà, c'est essayer de se frotter un peu avec quelque chose qui est un petit peu trop difficile pour soi, un petit peu plus que ce qu'on sait faire habituellement. Et voilà, c'est un peu... Toute ma vie est un peu comme ça, et tout ce que je fais est un peu comme ça, toujours. Dans, dans vos textes aussi, parle on l'a dit, on l'a entendu, c'est du dialogue. Alors mmh. évidemment, vous avez lu votre texte avec une seule voix, vous étiez seul en scène, mais on le verra, on peut imaginer un nombre défini ou indéfini de personnages, selon le lecteur. Euh, mais c'est la forme du dialogue. Après, on n'est pas loin de la forme théâtrale. Euh, cette forme, ce langage très oral. Il est présent dans vos textes, il y a quelque chose de très parlé depuis le début, mais j'ai l'impression que depuis les, les deux d'avant, depuis euh, l'enfance poétique poétique de, politique et poétique de l'emploi, il y avait de plus en plus de dialogue et que là, vous êtes allé au, au bout du truc, peut-être peut pas, mais euh, vous êtes allé au bout de cette forme avec là, cette fois, euh, que, que, que du dialogue. Ouais, en fait, je suis super vexée parce que je trouve pas que je fais euh, je, que j'écris euh, du langage parlé en fait. Alors, euh, on va regard. y revenir parce que y a, mais... dans ce langage parlé, il y a plein de passés simples et il est hyper. <laughs> non, mais c'est juste qu'en en fait, la forme, elle est travaillée euh, avec l'idée que je n'ai pas inventée. Moi, je, là, je euh, J'écoute ceux qui ont travaillé avant moi, qui ont écrit avant moi, qui ont trouvé des formes avant moi, et c'est vrai que bah, que c'est quand même aussi le premier qui nous a dit on peut écrire avec le langage du quotidien, on peut faire entrer dans la langue, euh, disons euh, la, la plus écrite, euh, des formes de l'oralité, et que c'est aussi comme ça qu'on qu qu enrichit les choses. Alors il y, y, y a une raison aussi peut-être plus euh, euh, d'une certaine manière plus politique pour moi de, de, de jouer sur ces, ces registres, c'est que euh, ça permet aussi de déjouer les... disons les... Le rapport dire un, un espèce de rapport direct du lectorat à une forme euh, et, et d'essayer de, de chercher d'autres manières de, de parler à travers l'écrit. Euh, voilà, c'est aussi déjouer par le registre euh, le placement de l'écriture euh, sur un certain mode et de faire entrer euh, un, de la vie en fait. C'est un peu ça l'idée. Bon, et puis je pense aussi que c'est parce que on peut aussi chercher dans des formes qui sont apparemment très courantes, comme dire putain, je sais que ça se fait pas trop, mais beaucoup de gens emploient ce terme, en faire quelque chose d'autre que. Euh, un simple mot de ponctuation, ou le réutiliser pour, pour, en, en lui donnant une forme d'esthétique. Donc ça, ça m'amuse aussi. Comme avec le passé simple, des, des, des faux passés simples sont amusants parce qu'ils viennent renouveler un peu ce passé simple qui plombe l'écriture souvent. Euh, en tout cas, moi, je trouve très lassant euh, les, les livres au passé simple, souvent. Alors, euh, en tout cas, les, les, les livres les plus récents, les plus contemporains au passé simple, ça un peu indigeste. Donc redonne, revivifier un peu en, fais, en, en jouant sur... Euh, sur une invention de passé simple qui, qui, qui faussait. Euh, voilà, c'est un peu le rendre vivant et puis faire repasser le passé simple dans une oralité qui, qui, où, où là, il est complètement absent. Oui, normalement, à l'oral, le passé simple, c'est très, 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 très peu usité. Euh, alors, on les a entendus à travers votre voix, ces gens, on sait pas bien qui ils sont. Vous faites en sorte qu'on ne le sache pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont réunis... Pour faire un inventaire, on comprend tout à la fin que c'est dans une maison en Normandie. On ne sait pas si c'est un inventaire après-décès, un, un inventaire au moment de la vente d'une maison de famille, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, ça fait écho pour ceux qui se sont trouvés confrontés à ce genre de situation, ça, ça peut faire écho à ça. On n'en saura rien, on ne sait pas combien ils sont, combien il y a de locuteurs. Finalement, ils pourraient presque être autant qu'il y a de répliques ou de tirets quadratins, il pourrait être que quelques-uns, on ne sait pas si c'est des hommes, des femmes, des hommes et des femmes. Euh, en fait, ils sont totalement dissous dans la notion de collectif, et avec un, un collectif unanime. C'est cette notion, déjà, ils disent nous, il n'y a pas de jeu, c'est nous. Euh, c'est cette notion de, de collectif, j'allais dire un peu mou, on va, quand on va... Consensus mou, euh, mais ça, on va, on va y revenir dans, ses, dans les propos qu'ils tiennent. Mais déjà, cette notion de, bah, de dissolution des personnalités dans une espèce d'unanimité de, de, de collectif. Euh, ouais. Alors, moi, j'aime pas tellement le collectif. Hein. Je vous le dis tout de suite. En fait, j'ai beaucoup de mal avec euh, personnellement. Après, je trouve c'est très bien quand il y a des collectifs et on réfléchit ensemble, etc. Mais en fait, je, je suis très individualiste et j'ai j'essaie de fabriquer plutôt une espèce de euh, de cœur bon, qui effectivement unanime, mais où, où chaque euh, prise de parole est singulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas l'unanimité, il ne va pas euh, jouer sur un, un, un appauvrissement des contenus, mais euh, en fait chaque prise de parole doit faire avancer quelque chose. Euh, doit, euh, même quand ça tourne en rond, ça doit faire avancer. C'est-à-dire que chaque prise de parole, d'une certaine manière, euh, reste singulière. Donc il y a effectivement un cœur. Euh, mais c'est un cœur euh, à la française et pas euh, à l'allemande, c'est un cœur constitué d'individus qui euh, tous euh, vont essayer de faire cœur sans cesse et dire d'ailleurs qu'ils sont unanimes, mais c'est bien peut-être parce qu'ils ne le sont pas autant que ça. Et c'est ce, plutôt cette idée que euh, se déroule euh, entre tous les individus une volonté de, de réfléchir, euh, de faire progresser, progresser une, ré, une réflexion. Euh, sachant qu'ils euh, sont, euh, sont fragiles, ils le disent dès le début, mais ils sont aussi fragiles euh, sur leur euh, posture intellectuelle. C'est pas, ils sont en, ce qu'on pourrait appeler en recherche, cest si on, on considère que la recherche n'est pas sa, seulement réservée euh, euh, au troisième cycle universitaire et euh, au, au CNRS, mais que c'est une attitude en fait de l'esprit, une espèce de curiosité qui, qui nous viendrait comme ça. Euh, ils ont envie euh, de comprendre ce qui est en train de se passer et, et l'occasion de cette rupture de, de contrat euh, qui consiste à ne pas prendre la parole, euh, à vouloir la prendre plutôt tout en ne la prenant pas, euh, est une sorte de moteur qui va les démarrer pour essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, le, euh, je pourrais dire que... La question de l'urgence, euh, bon, on est tous un peu là-dedans en ce moment. Hein. C'est euh, y a, y a l'urgence climatique, l'urgence économique, l'urgence euh, géopolitique. Enfin, Toutes les urgences sont là pour euh, nous rendre impossible la réflexion et euh, en tout cas pour euh, amenuiser notre capacité à, à nous, nous, nous mobiliser sur ces urgences. Et en fait, ils vont essayer de le faire quand même, euh, essayer de... D'identifier l'endroit où euh, ce qu'on pense, les opinions qu'on peut avoir, euh, la façon dont on voit les choses, vient se heurter à une sorte d'incapacité à agir. Donc, c'est là où euh, le texte, n'est pas, pas prévu d'avance. Je n'ai pas commencé à l'écrire en me disant, oh, je sais comment ils vont raisonner. C'est chaque fois qu'ils attrapent euh, un problème, ils voient qu'ils ne vont pas aller au bout en fait de ce qui de ce qu'ils énoncent et ils le disent donc c'est au moins euh, j'aime bien ces personnages parce que aussi ils sont pas euh, ils disent en fait ça ils sont pas lisses. Alors il y a des dissonances effectivement dans ce groupe. Alors on va appeler groupe plutôt que collectif dans cette assemblée. Euh, enfin, qui, qui pourrait faire penser à une famille d'ailleurs. Il enfin, avec, euh, on, faut pas se disputer et puis on n'est pas d'accord et puis quand même euh, on trouve, euh, voilà, on arrive à pas se disputer tout en exprimant sa position. Et il y, y a quelque chose de, de, de réunion de famille. Le, le passage sur Noël, il fait penser aussi euh, ces questions sociétales qu'ils qu abordent. Euh, il les aborde aussi d'un point de vue de, bah de classe. Enfin, très vite dès le début, euh, ils disent qu'ils font partie de la, la classe moyenne, plutôt du haut de la classe moyenne. Ce, ce positionnement-là, il est important dans cette réflexion. Ben, on est obligé de les croire. Ils le disent qu'ils sont plutôt de la classe moyenne, plutôt dans le haut du panier. On, on va les croire. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Donc, euh, après, on ne peut pas trop vérifier euh, euh, qui ils sont. Mais euh, bon, dans la mesure où euh, on écrit avec, comme disait euh, Flaubert, on n'écrit pas ce qu'on veut... Euh, c'est évidemment plus facile pour moi de, de parler d'un certain milieu, peut-être, ou d'une certaine catégorie sociale euh, qui ne m'est pas très lointaine pour, pour euh, la mettre en danger et puis aussi euh, pouvoir euh, justement en démonter les, les principes que de parler de monde au, auquel je n'appartiens pas. Donc ça, c'est aussi, euh, je pense, c'est une sorte de déontologie aussi de l'écriture. Il y a des gens ils pensent qu'ils peuvent écrire sur tout. Que tous les sujets, c'est bon pour eux. Euh, moi, je pense pas en fait. Euh, je pense qu'on peut pas écrire sur tout. Euh, je vais pas. Il y a certaines choses que je vais pas me permettre euh, d'attraper parce que c'est pas à moi d'en de, parler. Je peux donner la parole à d'autres, mais je vais pas écrire. Euh, euh, je sais pas un livre sur euh, le, la condition ouvrière euh, aujourd'hui parce que je ne la connais pas en fait. Je l'ai pas vécue et même si j'allais faire un stage de de trois mois à six mois dans dans une usine, j'aurais encore pas compris. Donc, il faut faire attention à l'endroit euh, d'où on vient et, où, où, et sur quoi on écrit. Et il me semblait que, euh, de ce point de vue-là, je ne suis pas très éloignée de Flaubert, c'est-à-dire, euh, je, je sais à quel monde j'appartiens, à peu près. Hein. Je dis pas que les mondes so sont aussi cloisonnés qu'au XIXe siècle, mais voilà, c'est plus facile de parler de, de cet endroit-là et puis de chercher aussi en quoi c'est pas non plus aussi bien défini que ça. Parce qu'effectivement, bon, ce qu'on peut dire sur la classe moyenne, en tout cas, moi, je ne vais pas faire un cours là-dessus, euh, encore moins quand j'écris un roman, mais bon, euh, aussi bien, on pourrait dire que la classe moyenne est de plus en plus importante, ou alors il n'y a plus de classe moyenne, ou, enfin, bon, en fait, on s'en fout un peu. Hein. L'important, c'est qu'il y a un endroit euh, dans un monde social où il y a effectivement un espèce d'entre-deux possible, euh, dont on voit bien les contours, c'est-à-dire un, un entre-deux où on se dit euh, qu'il est tendu un peu vers. Euh, en tout cas qui est obligé un peu de marcher avec ses objectifs de réussite sociale, de réussite économique et qui en même temps n'est pas très heureux là-dedans et euh, assez apeuré de ce qui pourrait se passer s'il arrêtait de le faire. Donc c'est cet endroit-là qui m'intéresse, dire que contrairement à, à Bouvard et Pécuchet, eux ils arrêtent leur métier. C'est un gros pari qu'ils font sur leur vie. Ils sont super courageux, ils disent bon allez, on arrête et on va à la campagne et on essaie euh, on fait des expériences de vie en fait, réelles. Là, euh, mes personnages ne font pas ça, en fait. Hein. Donc, ils ont, ils ont, ils ont dans des envies de petites révolutions, mais ils ont peur d'être déclassés quand même. Donc, c'est bah, complexe a, a, chez ah, eux, c'est très vais, contradictoire. Je leur, je leur jette pas la pierre. Hein. Moi, j'ai peur aussi. Hein. Je veux dire, euh, c'est une peur euh, qui, qui, est, qui est présente. Euh, perdre du pouvoir d'achat, euh, perdre euh, la possibilité de, paye, de payer son loyer ou, euh, ou ses traites, euh, ou mettre de l'essence dans sa voiture, c'est une peur qui, est, qui, qui, est, qui porte fort. Donc... Euh, euh, sans être dans une grande précarité, même des gens qui sont assez tranquilles euh, économiquement peuvent très bien ressentir euh, la peur de changer de vie. Pour changer de vie, il euh, faut soit être très courageux, ou soit être très riche, ou très tranquille. Donc, c'est cet aspect-là en fait, qui est aussi intéressant. C'est comment on peut euh, compenser par la parole aussi, parce que c'est un endroit libre, euh, en tout cas, on essaie de le rendre libre, euh, des, des lignes pour, de de possibles qu'on va pas accomplir, donc euh, c'est pour ça que aussi ils se contentent pas de, euh, de, se de, de proposer un monde refermé sur eux-mêmes, ils veulent aussi euh, imaginer des jardins, ils veulent imaginer euh, euh, une société dans laquelle on, on, on échangerait avec des colliers euh, qui sont que des imaginaires déjà là, donc c'est bien les idées reçues aussi de, de Flaubert. on ne peut pas inventer de zéro, c'est difficile, euh, mais pourquoi pas après tout relancer des utopies qui sont des, des vieilles utopies. Et dont, qui nous font toujours rêver parce qu'en en fait, on ne les a pas réalisés. Et on les voit toujours exister dans les, dans, dans les livres, dans les films. Dans les... Voilà, c'est toujours, toujours comme un rêve. Donc, ce, ce... ça aussi, c'est un, une dimension qui m'intéressait c'est de, de les laisser projeter, ces personnages, des, des possibles. Des possibles peut-être uniquement rêvés, mais. Sur laquelle, qui, qui, nous, qui nous reviennent un peu quand on le lit, on se dit, ouais, en fait, euh, ce serait super euh, d'aller au marché avec son petit panier euh, le mercredi, le samedi, on se dirait bonjour avec les gens et tout, c'est trop cool. Et puis, euh, et puis en fait, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est ce qu'on ce qu rêve aussi. Donc, ce rêve-là, bah, ça nous revient, on, on s'interroge dessus après quand on le voit. Ils sont ouais. en train de faire un, un inventaire, un inventeur, on fait un inventory des objets, mais. Euh vous, vous leur faites faire aussi bah, l'inventaire de tout ce qui va mal, de toutes leurs peurs, euh, la peur du réchauffement climatique, euh, euh, de la fin de la démocratie, euh, leur peur des migrants, leur peur de l'évolution de, de l'économie et du, du monde du travail, même s'ils ont toujours un pied dedans, ils font avec, ils font, ils font corps avec à certains moments et pas d'autres. Euh, donc, donc on a cet inventaire de... tout ce qui ne va pas, l'inventaire de leurs utopies. Mais il n'y a pas d'inventaire de, de solutions parce que les solutions, on ne les a pas. Et eux encore, encore moins parce qu'ils sont en pleine contradiction, ils sont pleins de bonne volonté, mais ils sont assez contradictoires aussi. Euh... Oui, en fait ce sont des, des personnages occidentaux 100% et probablement de, aussi d'un monde chrétien euh, héritier d'un monde d'une histoire où, où la culpabilité joue un grand rôle euh, donc c'est la culpabilité étant euh, le, voilà ici un peu diluée du fait que euh, elle, est, elle, est, elle est pas précisément euh, démarqué de la responsabilité. Donc, il euh, y a une espèce de confusion chez ces personnages, en tout cas, et euh, probablement chez moi aussi, entre la responsabilité et la culpabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis pas responsable de, des politiques migratoires européennes, mais euh, je, je, je me sens coupable. Tous coupables. Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu... C'est compliqué parce que peut-être que... En fait, je suis responsable quand même un peu aussi, et dont la façon dont je dont je me pose ou pas, c'est-à-dire en parole, euh, ok, mais dans les faits, qu'est-ce que je fais comment, se traduit, euh, euh, comment ça se traduit ensuite Et en fait, ça, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris de, de Jean Kelevich, qui est euh, mon philosophe de cœur, euh, qui a sans doute plein de défauts, hein, mais moi, Jean Kelevich, je l'aime pour ça, euh, c'est-à-dire que lui, euh, il a quand même euh, beaucoup réfléchi sur euh, cette, cette, cette morale. Euh, social qui euh, consiste à ne à faire du moralisme à, à, à moraliser à, à avoir la bonne posture à faire le pharisien et, et lui il pouvait le faire parce qu'en fait euh, il était résistant et il, il a il, il a passé son temps à faire de la résistance pendant que d'autres parlaient de littérature ou de philosophie donc ça c'est intéressant comme, comme euh, Jean il sert un peu, enfin euh, je, le, je, je le magnifie un peu mais il le mérite d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il nous pousse à penser le rapport entre euh, la parole et l'action, entre le fait de, parfois il vaut mieux se taire, et parfois, il, parfois il faut rien dire, et là ils sont trop bavards, ils sont très bavards. Jusqu'à dire des choses, c'est pourquoi nous aimerions avoir beaucoup d'argent tout en restant sensibles à la misère du monde, celle-là je l'aime beaucoup alors ils sont très bavards mais au moins ils nous apprennent ça enfin, ce que j'essaye aussi que j'essaie d'expliquer aussi dans tes toits c'est que euh, ils ont au moins ce, ce mérite dans leur, dans leur discours de, euh, de chercher un discours sincère c'est à dire de d'aller de, directement d'enlever toute la métacommunication pour aller directement à ce qui importe et donc ils sont parfaitement honnêtes dans tes toi vous dites même qu'ils sont sincères jusqu'à l'hypocrisie je crois Chose comme oui, c'est-à-dire oui. qu'ils sont, ils, ils avouent aussi leur hypocrisie. C est, c est, ils peuvent dire, en fait, ouais, nous, on est, on est euh, humanistes, mais euh, ça, sans aucune conséquence. Enfin, ce n'est pas que ça ne les dérange pas, c'est qu'ils ils vont montrer le, le dessous des cartes. Ils ne vont, ils vont pas raconter d'histoire sur ce qu'ils qu disent ou ce qu'ils qu font ne font pas. Il y a quelque chose de, de l'ordre de la superficialité du discours aussi, puisqu'à certains moments, il ferait mieux de se taire que de. On a l'impression que ça sort comme ça pense, quoi. Enfin, qu'il n'y a pas de, il y a pas de distance. Et en même temps, très, vous en faites quelque chose de très drôle. Enfin, j'espère je, je, que c'était voulu. Il n'y a pas que moi qui ai ri. Euh, mais c'est aussi une, une ironie qui est qui est extrêmement incisive. Euh, je pense que ça. Ça gratte un peu le lecteur parce que finalement, on, on, enfin, on se reconnaît un peu malgré tout à certains moments dans, dans, là-dedans. C'est un peu atroce de de se prendre ça. Donc à la fois, il y a quelque chose de très. Ils sont très lucides, ils sont un peu lâches et ça nous ramène nous-mêmes à notre situation d'humain et citoyen euh, du moment, quoi. Oui. Après, euh, je, je pense qu'ils sont. Enfin le. C'est une sorte d'état des lieux aussi. Hein. C'est un état de la réflexion à un moment donné euh, qui dure euh, pas très longtemps, euh, 50 minutes, 45 minutes. Donc, euh, sur ce laps de temps, c'est comme une sorte de condensé de prise de conscience et de, et de réflexion en, en cours de route et qui ne conclut pas et qui ne va pas non plus donner des leçons. Ce pas des donneurs de leçons. C'est plutôt des gens qui essayent de se poser des questions sur. Euh, voilà leur, leur façon, de, leur façon de, de voir les choses, mais en fait ce qui était intéressant à fabriquer, c'est euh, de ne pas essayer de décrire du réel euh, en, en trouvant le mot le plus juste, euh, mais de partir d'une rhétorique. C'est vrai que c'est euh, de partir du, du langage lui-même et que c'est par le travail sur le... Sur la forme de la phrase, sur l'enchaînement des mots, sur les associations d'idées ou les associations de sons, euh, qu'on va trouver en fait quelque chose qui va nous rapprocher du réel et non pas en, par euh, le, la précision en fait parce qu'il n'y a aucune précision, il précise rien quasiment donc euh, on ne peut pas savoir. Euh, euh, ils disent quelques éléments sur le jardin en disant qu'il qu fait trop chaud, que rien ne pousse, etc. Mais en fait c'est pas du proust hein. proust il sait décrire un jardin autrement que, que que moi en tout cas c'est certain Mais vous êtes énormément amusé avec le langage il y a si, à l'oreille comme ça il me semble qu'il y a quelques alexandrins qui se hein. il y a ces allitérations à certains moments il y a effectivement ce jeu avec le putain qui est plus qu'une ponctuation qui euh, qui est euh, comme un refrain ou je sais pas comment on pourrait enfin on en fait une poésie il y a ce jeu avec le, le passé simple effectivement on l'a dit de réinvention enfin où il se trompe entre le âme, le him le homme euh, etc c ça c'était vraiment un, un travail et en même temps un jeu euh, avec la langue oui bah déjà j'aime pas travailler donc si je joue pas en même temps euh, ça va pas donc euh, oui euh c'est forcément un peu ludique, un peu, un peu pour s'amuser. Et puis je pense aussi que si moi je ne m'amuse pas en écrivant, les gens ne s'amusent pas à me lire et la vie est trop courte. Enfin, euh, j'ai besoin que ça vibre aussi de ce côté de, 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 par ce, ce, cet aspect-là. Et puis il euh, y a aussi tout. Euh, enfin, je veux dire, les alexandrins, il faut les dégonfler un peu. Euh, qui, qui ne sait pas faire un alexandrin Donc, euh, euh, si on ne joue pas avec euh, l'alexandrin comme forme il euh, n'y bah, a plus rien à en dire donc, euh, alors bien sûr tout le monde est par racine mais je veux dire c'est pas parce qu'un écrivain a mis un alexandrin dans un roman que ça fait un écrivain euh, donc jouons avec cette forme euh, avant tout et puis essayons de fabriquer aussi autre chose avec euh, voilà c'est ça et puis il y a aussi euh, effectivement une espèce de de, de, de plaisir à, à, à voilà au son des mots à la, à la, vitesse, enfin, la vitesse le ralentissement les les, les parties prises un peu euh, voilà musicaux qui peuvent, qui peuvent venir mais qui sont en fait euh, qui peuvent pas non plus être pris euh, comme une ligne d'écriture c'est euh, c'est pas vous choisissez pas une ligne d'écriture en disant bon je vais faire de la musique avec les mots enfin déjà c'est super prétentieux et très con de dire ça mais euh, on, c'est musical parce que c'est des mots qui sonnent et que donc on ne peut pas faire abstraction du fait que des mots sonnent ou pas, euh, juste ou pas, euh, tombent juste ou pas, mais ça fait partie du, du travail. Mais si on est que sur cette dimension, ça ne fait pas avancer grand-chose non plus. Donc euh, voilà, j'essaye de jouer avec les, différentes, euh, les différents éléments de... de voilà, de chaque, chaque phrase, en n'oubliant pas qu ce qu'elle veut, di qu veut dire, ou pas dire, mais on peut pas être purement dans voilà dans, dans le jeu formel non plus. Enfin, pour moi, c'est pas il, il, on peut on peut pas se passer du jeu formel euh, parce que sinon on perd quelque chose de, du, du, du fond en fait, on perd vraiment quelque chose de la substance de ce qu'on a à dire. C'est que le, le, le jeu sur la forme, le, la musique des mots, ça fait partie de ce qu'on a à dire. Et si on, si on le met euh, à part, on se dit oh, ⁇ Je m'en occuperai plus tard, j'ai mon thème euh, ⁇ non, en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Et puis, vous, cette assemblée se euh, ce veut quand même euh, érudite donc, on, on l'a entendu dans, dans la lecture. Alors, nous aspirons, en effet, à une certaine culture. Et, euh, et en même temps, oui, ils ont cette fragilité. C'est qu'ils reconnaissent que cette culture, elle n'est pas tout à fait digérée, elle n'est pas tout à fait euh, assimilée. On a lu Proust, on a lu Rousseau. Euh, bon, euh, le contrat social, en même temps, puis le passage de l'état de nature au contrat social, ou là là, ça allait un peu vite. Et puis, on ne l'a pas signé. Et puis, Deleuze et Foucault, ça se complique. Et puis... Euh, puis des cartes et puis Marx et Engels bon alors là qu'on avoue ne pas avoir lu alors je ne sais pas si c'est pour une position de classe ou parce qu'il il n'y a que les y a que les marxistes qui et encore qui sont censés les lire comme vous écrivez euh... et ça c'est drôle parce qu'en fait finalement c'est en totale opposition par rapport à tes toits dans tes toits euh... les références vos références culturelles sont Parfaitement assimilés, vos références intellectuelles, les notes de pas de page, vous, quand vous parlez d'un auteur, alors à part peut-être la note inventée, mais euh, vous savez de quoi vous parlez. Et c est, c est, c est assez, ce contraste-là, il est assez drôle aussi. Euh, en tout cas, il est, j'imagine, totalement voulu et souhaité. Bah, C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire tes toits en faisant comme ça. C'est impossible. Je ne peux pas dire. Euh... Même si moi je me sens pas euh, super calé sur Nathalie Sarothe, je peux pas dire ouais, je connais pas très bien Nathalie Sarothe, mais par contre euh, j'ai quelques idées sur euh, Silence. Non, en fait je ne peux pas faire ça. cest dire qu'il faut moi je peux avoir des craintes, mais il faut que quand j'écris un texte, euh, voilà, qui euh, qui a cette forme là, euh, il faut il faut quand même que je puisse être euh, au moins rassuré le lecteur, voire me, me rassurer moi-même. Donc euh, effectivement là là les Disons que les formes euh, impliquent euh, des, des postures différentes. Bon, mais ce, que, ce qui, ce qui m'intéressait euh, surtout d'en parler avec ces auteurs, c'est que euh, moi, je pense que les gens euh, réfléchissent avec des, avec des, des auteurs, avec, fin avec, avec de, des personnes qui sont mortes et, ou des personnes qui vous, ne connaissent pas tout le temps. En fait, on fait ça et on réfléchit avec ce qu'on en retient et on en retient ce qu'on peut et on n'est jamais sûr d'avoir bien compris euh, tout à fait sauf que on ne le dit pas euh, forcément et c est, c est cette espèce de, de ouais d'un peut-être qu'on peut avoir sur euh, les gens qu'on cite et ben souvent euh, et ben on, on le masque on, le, on, on essaye de de pas le montrer trop Il y a, voilà c'est aussi un jeu c'est aussi un, un apprentissage que de savoir euh, ne pas insister sur les les manques des uns et des autres, les lacunes, les difficultés à citer, etc. Donc, euh, suivant le, le monde social auquel on, on appartient, on essaie d'appartenir, ces, ces, ces règles-là sont plus ou moins souples, etc. Mais là, encore une fois, euh, comme on est sur un, sur un dévoilement de sous-texte, euh, ben, là, il faut le dire, il faut l'avouer, en fait. Donc, à la fois... Euh, on peut ne pas avoir bien compris Proust et n'être pas de Proustien et avoir envie de citer les Verdurins en fait, et, et, et ou d'avoir peur de ressembler aux Verdurins, alors que les Verdurins sont très bien aussi. Donc euh, euh, voilà, c est, c est, ces questions-là, elles sont euh, cette espèce d'instabilité euh, des références euh, littéraires, elle est, elle est intéressante comme euh, à la fois comme matériau d'écriture parce que c'est drôle en fait de fabriquer ça. Mais aussi parce que, en fait, euh, bah, vous connaissez tous euh, autour de vous des Deleuziens qui nous, qui nous fatiguent, en fait. Euh, les Deleuziens nous fatiguent. Ils sont là à parler de Deleuze pour un oui, pour un non. Moi, j'adore Deleuze, mais ça m'énerve, en fait, au bout d'un moment. Donc, mettre un peu en boîte, jouer un peu avec cette redécouverte. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette notion de concept, ce concept de notion Il euh, y a un moment donné, euh, voilà, parler sans cesse de de concept, euh, ça ne vous fait pas de vous, Deleuze. Euh, Calmons-nous. Donc c'est cet aspect-là aussi qui est, qui est amusant, c'est de remettre un peu de fragilité dans nos références euh, littéraires ou, ou, ou savantes. Euh, pareil avec Descartes. Évidemment, nous sommes tous euh, héritiers de Descartes. Nos façons d'être, de vivre, de penser le corps, de penser l'âme, la tête, euh, tout ça. Euh, tout ça est en lien avec Descartes, mais on n'est pas cartésien pour autant. Et on n'a rien compris à Descartes. Et même quand on essaie de li le lire, on ne prend qu'une partie de ce qu'il raconte. Donc euh, mon Descartes n'est pas le vôtre, n'est pas celui. chacun se fabrique euh, son idée et on essaie avec ça de, de fonctionner. Et pourtant, on est traversé par... Euh, euh évidemment par euh, les, les idées cartésiennes, on est traversé par Proust aussi, on est, pas, on est traversé par ces, ces, ces figures euh, de, de la pensée qui ont, euh, qui ont inventé une manière d'être au monde. Il y a, il y a aussi euh, dans, dans le texte un énorme contraste entre euh, bah, tout ce qu'ils racontent, leur, leurs, ils ont quand même... C'est une introspection, ils se remettent en cause, malgré tout, ils n'ont pas, pas les solutions, mais euh, ils ont au moins le mérite. Ils sont très attachants, en fait. Hein. Euh, ils ont plein d'indignations, parfois contradictoires, mais c'est pas grave, elles sont là. Et en même temps, ils sont en train de faire le truc le plus bassement matériel euh, au monde, c'est-à-dire ils comptent des petites cuillères. Quoi. Enfin, ils... Et ils s'interrogent finalement aussi au sra... à ce rapport aux objets. Les petites cuillères, les verres à pied, ils n'en ont pas besoin. Ils vont se, ils vont se ramener des... des vieux machins chez eux, euh, peut-être par attachement euh, symbolique. Euh, ou... euh... Et... Et donc, ça fait, un... ça fait un contraste énorme entre eux, une espèce de... de réflexion sociétale qui est très importante. Et puis un truc euh, aussi bête que des petites cuillères euh, en bois, en plastique, en inox ou en argent. Quoi. Non, mais les, 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 les petites cuillères sont un fait social euh, au sens euh, mauthien, c'est un fait social total. Enfin, on, personne n'échappe à la petite cuillère en Europe. Donc, c'est quand même très intéressant de considérer aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que euh, trier des objets n'est ne pas en dehors du monde social, c'est-à-dire que euh, il y, a, il y a eu des époques où il y a peut-être des endroits sur Terre où le, le rapport des, des êtres humains aux choses est, est plus dégagé qu'en Europe, mais en réalité, on ne peut pas réfléchir en termes sociologiques aujourd'hui sans faire entrer le, le rapport à la fois à la nature et aux objets manufacturés, aux objets utiles, aux objets inutiles. Ça fait partie du rapport social. Donc la, 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 la dissociation, en fait, entre le rapport humain qui serait euh, dans une espèce de perfection de, de purs esprits à purs esprits, euh, voire de corps à corps, on pourrait dire, euh, et puis euh, le monde vil des objets euh, qui nous entourent, euh, c'est faux. -dire, ces objets sont sans cesse en train de nous, 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 nous demander des comptes et d'exister par nous, et c'est nous qui les faisons exister. Bon. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout euh, théoricienne de rien du tout. Ces, ces choses-là ont été découvertes déjà par, euh, en tout cas mises en avant déjà, par euh, Roland Barthes avec ses mythologies, montrer à quel point bah, une déesse, ce n'est pas qu'une bagnole, en fait. C'est bien plus. Donc, c'est les significations. Euh, Qu'est-ce que... Euh, voilà, à un moment, on fait un inventaire, ce ce, ce pas la, la valeur ne peut pas être le prix. La valeur, elle est déliée de ça, elle est liée à mille autres choses que le prix. Le prix est une dimension éventuelle de la valeur. Mais ces, ces questions-là sont éminemment sociales et éminemment philosophiques. Donc c'est là-dessus. Et ça commence dès euh, l'âge au, auquel euh, les, les parents vont décider que l'enfant ait nourri la cuillère. À partir de ce moment-là, enfin, je veux dire, la cuillère, c'est ça aussi, c'est... La, la première fois, est-ce que je, est je l'allaite jusqu'à 6 mois Est-ce que je le nourris au biberon jusqu'à 2 ans et demi Ou est-ce que je lui enfourne une cuillère euh, dès ses 3 mois et demi parce qu'il faut qu'il goûte la compote euh, aux cerises de, de l'été C'est ça la question aussi. Et la cuillère, là, c'est un objet euh, qui ne laisse pas le bébé indifférent. C'est un choc qu'une cuillère. Le choix de la cuillère n'est pas anodin, donc. Oui, après, je, je dirais c'est plutôt de la théorisation a posteriori. Mais, mais voilà, effectivement, ce pas anodin. Le un contre tous, le seul. Euh, Donc finalement, c'est le seul sur qui on sera des petits éléments de vie. Il a été riche, il a vécu au-dessus de nos moyens. Euh, il a eu un cher euh, des plats en forme de poisson, tout ça. Il a divorcé, il a vécu dans les bois. Euh, déjà, on sent dans bon, ce qui lui est dit qu'il finalement, il a toujours été un peu à côté puisqu'il vivait au-dessus de nos moyens. Après, euh, il a vécu dans les bois, un peu euh, hier sud tout ça. Mais là, il apparaît... Euh... Est-ce qu'il est qu apparaît dangereux au groupe Moi, c'est le sentiment que j'ai eu qu'il était... Un... Finalement, qu'on lui confisquait la parole parce qu'il clignotait danger pour le groupe. Et qu'entre autres, ce qu'on lui reproche, alors on lui reproche au tout début son ton, donc on imagine que peut-être, on n'en saura rien, il aura adressé la parole à un moment ou à un autre. Mais surtout, ce qu'on lui reproche, c'est son silence. ce que le silence est bavard. Oui, bah en fait, c'est mieux qu'ils se testent, parce que comme ça, on les entend mieux, les autres. Euh, c'est un, un individu, euh, c'est un espace de projection, en fait. C'est le moyen de projeter quelque chose. Euh, euh, et quand on ne connaît pas très bien, qu'on ne qu comprend pas très bien un comportement, on projette, on essaye de trouver des explications. Et c'est là où se met en route euh, la machine d'interprétation, en fait. Hein. Et c'est aussi ça qui, est, qui était intéressant à essayer de, de fabriquer. Si ça se trouve, cette personne est tout à fait, a presque rien à dire. Ou une, un truc tellement anodin que ce n'était pas la peine de passer 45 minutes à essayer de tout. de passer sur euh, euh, tous, les, tous les aspects possibles de sa prise de parole. Hein, c'est comme s'ils anticipaient aussi sa prise de parole. C'est comme si euh, l'individu qui ne parle pas allait leur reprocher de ne pas avoir de position sur le réchauffement climatique ou sur, euh, sur le, le, la politique migratoire, migratoire européenne. Enfin, c'est voilà, aussi ce qui projette. Et ça, bon, c'est un peu l'espace de euh, comment dire de la conscience par l'autre, qui est bah, un jeu de plateau aussi. Hein, si on est sur un plateau, on a besoin euh, de, de sentir qu'il y a une altérité hein, quelque part euh, pour euh, nous signifier qui on est. Euh, et c'est aussi euh, quelque chose qui n'est qui pas vrai, enfin qui n'a pas de fondement vrai. On ne va pas pouvoir trouver. Euh, dans les projections qu'on peut faire, c'est quelque chose de vrai, c'est ce que bah, je trouve que ça fait penser un peu à, à cette notion de Freud, de l'inquiétante étrangeté. Donc C'est inquiétant, c'est étrange, mais c'est aussi parce que c'est proche. Et donc là, on sent que l'individu en question, il est à la fois euh, lointain et proche, il en fait partie, il n'en fait pas partie, euh, il est unanime, mais il ne l'est pas. Euh, donc c'est à cet endroit-là, c'est là où ça frotte en fait. Parce que être en désaccord avec des gens qui sont loin, euh, ou vraiment en, la dialectique pure, l'antinomie le, le, absolue, n'est pas très dérangeante. Ce qui est dérangeant, c'est euh, la, la, la petite différence qui va nous inquiéter sur nous-mêmes. Bon, de ce point de vue-là, c'est absolument pas un livre novateur. Enfin, c'est, je pense que j'enfonce je, je, des portes ouvertes. C'est quelque chose que tout le monde peut voir dans plein d'autres livres, sûrement, et dans la vie de tous les jours. C'est voilà. drôle parce que par rapport à l'espèce de mise en espace enfin, qui, qui peut avoir l'air, vous avez parlé de jeux de plateau, il y a quelque chose d'un peu théâtral. Mais il y a... moi, ça m'a aussi fait penser à un tribunal, enfin, un procès où il y a quelque chose de très oral dans. dans... Alors, il y a une... une sorte de tribunal aussi, parce que finalement, ça pourrait être un tribunal de. J'allais dire de notre démocratie aussi, de, de, le, fait, le fait de faire cet état du monde et de, tout ce qui ne va pas pour y avoir cette espèce de, de procès de l'état du monde. Et puis, euh, le côté, effectivement, euh, reproche, dissimulé, euh, défense, oui mais non, Moi, ça m'a un petit peu fait penser à ce qui peut jouer dans un tribunal. Hein. Je ne sais, sais pas, hein. je, je pense qu'il n'y a, a quand même pas de. Enfin, ce je, n'est je pas du tout pour me comparer à Kafka, parce que je vois pas l'intérêt du tout et la possibilité même mais c'est vrai que je suis très très loin de fabriquer des enfin à mon avis c'est très très loin de la, de la situation euh, d'accusation en fait hein, ou de, 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 du procès s'il si y a une forme de, de procès éventuellement c'est une sorte de d'auto analyse mais assez souple euh, euh, qui n'est pas une auto analyse euh, où euh, à la fin il y aura un coup prêt et on se retrouvera en prison il n'y a pas le danger n'est pas, euh, pas le, le, la condamnation. On peut se condamner un peu, mais ça, ça, la, la condamnation ne sera pas dramatique en fait. Donc le, le, le danger est beaucoup plus la, la de déchoir et de plus savoir qui on est ou de sentir que on, on va prendre euh, on aurait bien aimé aller quelque part et c'est pas là qu'on va. Et ça bon c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Plus fortement dans, je pense, dans ce, ce monde social-là que euh, le, le fait d'être euh, euh, éventuellement euh, euh, jugé. On va parler un petit peu de tais mais avant, je, je réalise qu'il y a peut-être un mot que je n'ai pas employé. Alors, si au tout début, pour dire que vous veniez des sciences politiques, effectivement, je n'ai pas du tout employé ce mot politique. Et... Moi, je trouve qu'il y a. Dans vos textes, euh, cette réflexion politique, alors dans le sens euh, organisation de la, de la société, euh, le rapport au, au pouvoir, enfin, euh, c'est très présent. Euh, c'est quoi pour vous le rapport entre, entre politique et littérature, entre art et littérature bon, et, et, et on n'a pas deux heures. <laughs> Bah déjà, je vais dire tout simplement que pour moi, c'est un peu par obligation que je suis sur le terrain politique. C'est que c'est mon matériau. C'est là où j'ai du, c'est là où j'ai ma mon matériau est là. J'aurais fait d'autres études, peut-être je parlerais d'autre chose. Si j'avais fait de, de la biologie, je parlerais plus de l'essence des arbres que je ne le fais là. Donc c'est vrai que venant de la science politique et ayant de, de, surtout euh, particulièrement aimé étudier l'histoire des idées politiques, donc euh, aussi pro, assez proche aussi de la, de, des idées euh, politiques associées à, des, à la philosophie. Donc tout ça fait que évidemment, euh, je me sens mieux euh, sur ce terrain-là que sur un autre. Euh, ceci dit, là où euh, euh, on peut dire que c'est pas un livre politique dans le sens où c'est pas euh, voilà, c'est très très loin de la littérature engagée ça, ça ne m'intéresse pas du tout de faire un livre sur les enfin même je, enfin, je, vois, je vois pas où est le... même l'insolence le... À... Le... pour moi il n'y a aucune pertinence à, à écrire un livre sur un sujet euh, dit d'actualité parce que euh... Euh, voilà ça marquerait mon engagement pour telle ou telle cause en fait euh, pour moi ça passe pas par ça, ça passe d'abord par la, la subversion dans la phrase en fait, la subversion par euh, ce que j'essaie de, de faire écrire, de, de, de faire dire à mes personnages ou, ou par les références donc voilà s'il y a du politique quelque part c'est certainement pas de manière proclamée en fait, ou alors je, je, je l'espère pas voilà c'est euh, dissimulé. Euh... C'est pas dissimulé, enfin, c'est dissimuler. Dissimuler, un matériau. En fait. C'est un matériau, l'écriture. C'est mon matériau, c'est ça. Mon premier matériau, c'est ça. On va parler un tout petit peu de Tétois Je crois qu'il nous reste 3-4 minutes. Donc ça, ça... Euh... Finalement, vous définissez, quand vous faites cette analyse de, de votre, cette post-face avec Tétois de, de votre texte, par tout ce qu'il n'est pas. Un roman, il n'est pas un roman, il n'est pas une nouvelle, il n'est pas un poème, il n'est pas une pièce de théâtre, il n'est pas une pièce radiophonique, il n'est pas un scénario de cinéma. J'ai peut-être oublié, euh, je crois que c'est... Voilà. Euh, et en fait, euh, c'est un peu tout ça mélangé, non Ou pas ben, en, fait, en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de réfléchir avec le, le lecteur, mais aussi pour moi-même, sur le cadre de lecture. Je pense que c'est très difficile de lire un texte, enfin euh, ce n'est pas moi qui le pense, d'ailleurs c'est des, des, des gens qui ont travaillé sur le, la sociologie de la lecture qui nous ont bien expliqué qu'il faut des cadres en fait, on a des cadres de lecture. Euh, et ces cadres de lecture nous facilitent l'entrée dans, dans un livre. Or là, euh, j'avais fabriqué quelque chose où je ne savais pas comment... Euh, euh, je, enfin je pensais utile d'essayer de... De faire saisir un cadre de lecture ou de moi-même euh, situer euh, par, par rapport à des cadres de lecture. Euh, des cadres de lecture qui sont aussi parfois des formes euh, esthétiques un peu plus loin de la lecture, mais qui sont aussi euh, des cadres d'écriture possibles. C'est pour ça qu'il y a le cinéma dedans, par exemple. Euh, donc voilà, c'est l'idée <coughs> bah, des gens qui ont. Euh, qui, qui, qui ont des choix à faire dans la vie. Euh, Qu'est-ce euh, qu que tu veux faire comme étude bah, je, 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 voilà, euh, je ne veux pas euh, faire ça, euh, je, euh, je, euh, je, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je ne veux pas faire ça, 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 ça. Voilà, c'était un peu l'idée. Je ne veux pas faire de la sociologie, je ne veux pas faire du journalisme, je ne sais pas ce que je veux faire. Mais peut-être ce sera de la danse ou du cinéma, je n'en sais rien. Donc, c'est ça. Donc là, euh, si tu as un texte comme ça, ça veut dire euh, je sais dans quel cadre ce n'est pas ou pas tout à fait. Mais ça peut attraper, si je parle de ces cadres-là, c'est que bien, c'est bien que parle a quelque chose à voir avec ces avec ces cadres. Donc c'est c'est pas de la poésie, mais ça a à voir avec la poésie. C'est pas du roman, mais ça a à voir avec le roman. Ça c'est pas du cinéma, mais ça a à voir avec etc, etc. Donc c'est ça, ça et puis du théâtre bien sûr aussi parce que peut-être là c'est quand même le plus apparemment le plus proche. Donc on est, j'essaie de voir. Euh, quelles sont les, les affinités de ce texte avec, avec des endroits qui sont des cadres de lecture qui sont bien identifiés. Je crois qu'on est arrivé au bout de notre temps d'entretien. Je vais juste vous citer, citer une phrase de, de Tétois. « Parle est peut-être bon à quelque chose, puisque c'est à coup sûr une dinguerie de phrase en verre de terre. Euh, » Une dinguerie de phrase en verre de terre, c'est peut-être ça, euh, plus tout le reste. Euh, merci. Beaucoup, Noémie. On a réussi à presque pas parler de Flaubert, à pas parler de Normandie. Mais moi, je veux bien et, en refaire et, tout. Et on peut refaire pour tout en de, de Flaubert. Donc rendez-vous une prochaine fois pour parler que de Flaubert. Euh, et puis pour ceux qui l'ont pas encore lu, lisez absolument. Parle et toi et puis aussi aller voir les petites vidéos que Noémie réalise avec Laurent Grappe sur Youtube je crois que c'est la, la page de studio Doit dessus euh, dans le genre euh, d'un gris euh, alors là c'est d'un de vidéo alors je ne sais pas si c'est en verre de terre ou pas, mais c'est absolument euh, savoureux aussi, merci Noémie merci Effraction Merci beaucoup